Monsieur Dezonnette, vous êtes l'entraîneur de Voice Dream dans le quintet de ce lundi à Vincennes. La jument reste sur une belle prestation sur la petite piste. C'était très bien ce qu'elle a fait, le virage à 4, et puis bien pu la tenir. Super course. Elle n'a pas été revue depuis fin novembre. Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela? Non, elle n'avait pas de course, puis là, un mois, ça y va bien, on l'a pas bousculé, elle n'a rien de travers pour l'instant. Bon, c'est une jument hyper sympa pour les parieurs, même pour son entourage, je pense. Elle fait toutes ses courses. Bravo de jument, au travail elle est gentille comme tout. Non, une comme ça, il n'y en a pas 36. Elle peut mettre à profit sa. Elle est régulière en plus. Elle peut mettre à profit sa régularité pour toucher au but cette fois-ci. Ah bah, je sais pas examiner la concurrence pour l'instant. Puis le numéro de star, ça va porter aussi, hein. Oui, c'est vrai, c'est important. Vous venez d'être battu par Vanni Desnoyaux que vous allez retrouver à nouveau sur les 2100. Est-ce que les 2100 la dérangent? Elle l'a bien fait, une fois elle était quatrième, elle marchait 13 d'une, et 2 minutes toutes deux. Ça va peut-être aller encore un peu plus vite, je sais pas. Bon, après, elle est capable de suivre tous les trains et de placer sa pointe. Oui, il faut qu'elle soit cachée quand même, mais ben, le virage là-haut, ça y a coupé. Ça fait une super course, un petit loin. Sa condition est toujours optimale pour cette tentative? Il n'y a aucun problème. Affaire à suivre. Dès lors, elle a une bonne chance à défendre avant coup. Bah oui, je sais pas, c'est bien, mais c'est les courses, il faut les courir, après on discute.